Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est Mordrano Micro, je suis en compagnie de Kelmazad, salut Kelma. Yo. Aujourd'hui c'est le premier épisode de notre nouvelle série qui s'appelle Stairway to Fail. C'est la série où je vais essayer de ne pas fail, mais évidemment plus j'essaye, moins je réussis. Stairway to Fail, c'est pas une série qui va forcément se concentrer sur que du Minecraft, mais pour le coup, sur ce premier épisode, on va faire du Minecraft pour vous faire plaisir un petit peu. Dans Stairway to Fail, on va faire des jeux à fort potentiel de fail, que ce soit, bon, en tout cas pour ma part, que ce soit en solo ou en coop, parce que ça arrive d'avoir des jeux à fail comme aujourd'hui en coop. Donc aujourd'hui, on est sur une map custom, d'ailleurs qui est pas censée être multijoueur, mais on s'en fout. On l'a mis sur un serveur multijoueur exprès pour comparer un petit peu la taille de notre tub. Et c'est une custom map qui s'appelle Parcours Fervor. Une map qui a été créée par un certain Phylogenesis. Donc, a priori, son record à lui, c'est 196 morts. Alors, nous, on a un peu fait de la merde en checkant certaines choses sur la map. Donc, on est à deux chacun. Donc, on va dire que c'est notre zéro, hein. Et évidemment, l'objectif va être de terminer la map qui est très très longue a priori, donc ça va nous prendre plusieurs épisodes. À savoir que Stairway to Fail, c'est différents épisodes qui vont être pas mal montés, donc il n'y aura pas l'intégralité de la map sans arrêt. Au niveau des règles, bah, il n'y a pas grand chose de notable. Les petites pressure plates comme ça set notre checkpoint. Donc bah, j'ai envie de dire, on y go? Ouais. Donc map parcours, hein, qui dit map parcours dit saut, évidemment, dit vide, dit mort. Donc ça va être assez marrant. Sachant que moi j'en ai quasiment jamais fait de ma vie des maps parcours, donc ça va être assez drôle. Donc il y a des chances pour que vous entendiez pas mal nos claviers moulinés. Et beaucoup de concentration, pas beaucoup de... pas beaucoup de discussion. Mais tu carbures, toi? Alors cette zone, je l'ai faite, je l'ai faite. Hein, Et merde. Ah bah bravo! On fait une série. Moi, je me suis pas entraîné hors caméra. Hein. Ah mais faut dire aussi que je t'ai attendu très très longtemps. Not my fault. Ouais, il y avait Vinyl à regarder. Je l'ai même pas regardé. Hein. Ah ouais? Il y a des priorités dans la vie. J'ai regardé Muppets, je me suis rendu compte que j'avais plein d'épisodes de retard. Bon, alors c'est sur ce saut-là que je me chie à chaque fois. Parce qu'en gros, il faut que j'atterrisse sur le haut de la barrière pour pouvoir aller sur le command block et set mon rally point à cet endroit-là. Et à chaque fois, je me chie dessus. Ah, putain! Et donc là, évidemment, j'ai plus qu'à recommencer parce que je ne peux pas passer par-dessus. Parce qu'en gros, je suis obligé d'arriver ici pour mon checkpoint. Donc, c'est le premier fail de cette série. Ah, d'accord, t'es obligé de monter sur la barrière? Ouais. Ok. Et du coup, moi, je suis bloqué à l'intérieur, je fais comment? Je suis obligé de Bah, me tuer? tu peux la casser. Ok. Et du coup, c'est chiant. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça, c'est l'objectif du truc. Alors d'ailleurs, avant que vous posiez la question, je joue d'ailleurs Kelma aussi, mais vous voyez pas son écran, avec le texture pack qui s'appelle comment? Sfax. Sfax, pur BDCraft. Voilà. Donc ne. Ça sera évidemment en lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais c'est quand Bon. même un texture Ouais, c'est pack un qui est classique, hein. ultra connu. Donc d'ailleurs, c'est un peu honte sur vous si vous me demandez ce que c'est. Ah putain! Alors évidemment, ça va être un petit peu le let's play de la rage. Hein. Sachant que cette zone est censée être facile. Hein. Ça, pour le moment, on est encore zen. Ouais, mais tout à l'heure, j'ai fait un test sur une autre map. Et j'étais plus zen du tout. Je ne vous garantis rien. On est reparti. On sent déjà la lassitude. Non, c'est juste que là, pour le moment, je suis encore calme. Hop.
Remarque que jusqu'ici ça se passe bien, hein. C'est toujours là que c'est de la merde. Le truc c'est que plus tu ah, foires, plus tu foires, plus t'as tendance à rusher après et... Ouais. C'est toujours la meilleure chose à faire. Ah! Alors évidemment tout ceci sera monté, hein. Donc si on fait 15 essais pour ce saut, bah vous les verrez pas tous les 15. Ça sinon ça va être un peu chiant. Ou en accéléré. Ou probablement en accéléré, ouais. Hop. Et voilà. Ah GG. Ok bah je suis mort à... Enfin je suis tombé à la seconde d'après. Donc, donc tu peux faire slash kill si tu veux. Pour Est-ce que j'ai vraiment envie de gâcher un kill pour ça? Ah j'avoue. Allez oui. C'est le début. J'avais pas... Je vais me permettre. J'avais pas pensé à ça. Ah putain! Le deuxième jump qui a tout gâché. J'étais dessus. Putain, je suis resté appuyé trop longtemps sur le saut. Donc a priori, selon le map maker, comme on dit, tous les jumps sont possibles. Et il l'a même prouvé sur sa chaîne YouTube. Donc d'ailleurs, je sais pas si je l'ai cité. C'est le map maker s'appelle Phylogenesis. Donc c'est tu l'as dit au début. Voilà. Et je vous garantis pas qu'on fasse mieux que lui. En termes de nombre de morts. Oh le tricheur. Franchement, j'ai rien cassé. Hein. J'ai pris le chemin. Non, c'est vrai, mais bon. Ah putain. Je sais pas pourquoi ce jump me fait chier. Et merde. Vas-y, ça me saoule de le refaire. Ça kill. Allez. Vous allez voir que Kelma il va finir par me rush et je vais plus le voir. J'arrive pas à faire le putain de saut qui est là donc. Ah! Oui! Allez là! C'est ça qu'on veut. Quand même. Ok, bon. Ça va, 8 minutes. Pour la première. Ah putain de merde! Ok. Je sais pas trop où il faut aller après. Reste ton calme. Bah a priori, enfin si tu vois des torches, c'est a priori c'est par là, ou si tu vois des cubes qui sont un peu d'une tronche différente, bah c'est que ça doit être là. T'as le début du parcours. Maintenant, je le rush mais tellement vite. Oh putain, ça me saoule. Il est dur ce saut, hein, en vrai. Bon, l'avantage, c'est que les gens te voient pas forcément sur mon écran, donc ils te voient pas fail. Ils ne font que t'entendre. D'ailleurs, avant qu'il se passe un drame, je vous garantis pas qu'on termine cette map un jour, hein, en vidéo. Comme ça, c'est dit. Parce que si au bout d'un moment ça nous fait trop chier, on la terminera pas. Hein. Mais putain! Allez là! T'as réussi? Ouais. Enfin, à revenir sur le command block, oui. D'accord. Bon, bah là c'est reparti. T'as pas réussi ça? Non. Ah putain, et maintenant je loupe le truc de la barrière, quoi. Super. Il a fallu que je dise que maintenant j'y arrivais piece of cake. Parkour! Parkour! Mais en plus, le fait qu'on n'ait pas joué à Minecraft depuis longtemps, ça aide pas, je pense. Hein. Oui. Bah, c'est surtout que moi, j'ai jamais eu, tu sais, j'ai jamais joué avec ce type de timing-là sur des sauts, en fait. Donc,
ça me perturbe un peu. Je suis pas habitué, quoi. Oh, allez! Okay. C'est un peu la victory, là. Ok, ensuite, par où? Sur le toit. Ouais, je suis sur le toit, là, déjà. Après, t'as un truc avec 4 torches. Ouais. Mais t'es déjà passé, toi, en fait, là? Je suis tombé après le truc où il y a 4 torches. D'accord. En voulant sauter sur le suivant. Ah, putain! Absolument. En plus, ça a pas l'air si compliqué que ça, en plus, ce truc-là, mais c'est que... C'est le côté anguleux. Oh ! Allez, je raise. Oh, putain ! 3 raise de suite. Horrible. Vas-y. Oh, vas-y first. Ou tu veux que j'aille first? Vas-y. J'ai... Non! Allez, je me mets à égalité avec toi. Après, si j'y arrive toujours pas, je vais pas raise. Ah putain, c'est pas vrai. En fait, ça me fout tellement le seum de t'avoir vu réussir en plus. Attends, on va te regarder faire le saut, ça sera peut-être un petit peu plus intéressant. Ah, c'est là-dessus là? Bah ouais. Ok, je t'attends. C'est chaud, hein. Ah, je crois en toi. Allez! GG. Oh la vache, celui-là, il est long. Putain. Et merde. Bon. Ce qui devait arriver, arriva. Dommage. Bon, je... Hein, tu permets, je retourne au niveau 1. Putain, ce deuxième saut qui me tue à chaque fois. Ah! C'est excessivement énervant. Deuxième saut, c'est-à-dire que t'arrives sur le truc et tu fais enchaîner avec un deuxième saut juste derrière? Voilà, c'est que je reste appuyé trop longtemps sur la barre espace, en fait. Comme un abruti. Ok. Putain, c'est la deuxième fois que j'arrive ici. Ok. 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 Ok, donc là, c'est l'endroit où était Kelma tout à l'heure. Où on l'a gentiment regardé. Non! Putain, sur le premier poteau de terre, quoi. Nul à chier. Putain. Ça, tout à l'heure, j'y arrivais bien et maintenant, j'y arrive plus. Ouais, mais c'est par passade. Ok. T'as jamais été aussi loin de ma vie. Allez! Ah non! Ok. Ok. Il y a eu clairement un bug bizarre. Je me suis retrouvé par terre après ma TP, mais. J'ai été remis au-dessus. Ok. Très bien.
Putain, mais il est où le command block du checkpoint là? C'est une blague? Non! Ah! Putain, j'étais allé tellement loin! Putain. C'est dur, hein. Pour un facile. Imagine la suite. Ah putain, mais faut que j'arrête de rush comme ça. Je suis vraiment mongol. Nos amitiés à tous les mongols d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Passe devant, je te suis. Mais non, mais saute, abruti! J'aime beaucoup ce texture pack en tout cas. Dit-il pour essayer de se calmer. Oh non! J'ai raté un saut easy. Oh, je me déteste. Mais... Bon, ce qui est bien, c'est qu'on se suit. Troisième essai sur les poteaux là. Ok. Non, oh, tu m'as fait peur à hurler comme ça. Désolé. Putain, j'ai glissé en me remettant bien sur le poteau quoi. La mort de merde. T'imagines en train d'avoir peur devant ton écran. J'étais tellement concentré sur mon truc quand je t'ai entendu hurler, ça m'a fait sursauter. Ah là là. Eh mais ce kill, je galère. Hein. Franchement, je comprends pas pourquoi j'ai autant de mal. Va arriver un moment où je vais finir par m'attaquer à mon bureau. Hein. Ça va plus être possible. On t'entendra taper. C'est ça. Et les gens le verront en plus. Ah mais oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. C'est ça. Oh, les mecs beaucoup trop chauds, là. Moi, c'est putain celui que putain tu... Mais moi, c'est... Ouais, c'est exactement celui sur lequel tu viens de tomber qui me pose problème. Mais en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que comme un bon gros cotorep, je n'appuie pas sur le putain de bouton espace, quand même. Ah oui, là ça c'est un nouveau niveau. Là, il y a c'est. Ouais, c'est. Y a, Une marche supplémentaire sur le Starway. Ah là là. Ah putain, que c'est chiant. Faut que je prenne l'habitude de sneak quand je me remets en place. Ah, parce que tu recules trop et tu ouais. Tombes. Ça fait 3 fois que je fais ça sur le truc des 4 torches là. C'est ballot. Un peu, ouais. Surtout que maintenant je m'envole niveau des kills. Allez! Putain, mais casse-toi, cochon de merde là! Là, je commence à avoir la main tremblotante un peu, moi. La pression, tout ça, tout ça. C'est ça.
Je me foire toujours au putain de même, quoi. Allez! Oh! Nicoli! Oh putain! Salut à tous, c'est la fin de ce premier épisode de Stairway to Fame. J'espère vraiment que ça vous a plu parce qu'on a mis du cœur à l'ouvrage évidemment. Si ça vous a plu et si vous avez des remarques, des retours à nous faire évidemment, c'est dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, évidemment, laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir et puis ça aide la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne avec le petit bouton qui est juste au-dessus si jamais c'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec le premier épisode de l'archéologue de Steam et dans deux semaines avec l'épisode 2 de Stairway to Fail. Et je vous en laisse un petit teaser juste après. Allez, à très bientôt tout le monde, salut à tous. Putain! Je suis encore mort de l'autre côté, ça fait chier. Allez, paye ton kill count. Ah putain.